Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur Wind Waker HD sur Wii U. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on s'est quitté la dernière fois, nous sommes toujours à Mercantile. Après avoir fait le deuxième passage et récupéré pas mal d'items, dont la fameuse voile rapide. Donc maintenant vous êtes plus obligé de me la rappeler, nous l'avons dans notre inventaire. Attention, preuve en image, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, nous avons la voile rapide. Ta-ta-da ! Et aujourd'hui, on va continuer notre exploration des mers pour récupérer des cartes de cœur, des cartes au trésor, le contenu de coffre au trésor et surtout masse de rubis. Puisque pour un achat qu'on devra faire à la toute fin de cet arc de récupération, on a besoin d'à peu près 2000 rubis et des brouettes. Autant dire qu'il va falloir qu'on récupère des trucs. Avant de commencer, je rappelle que Pomicel est le nom épique et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fail FAIL. Plus le moment que vous voulez que je joue à la compile. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous demandez quand va sortir la compile, la première compile devrait sortir pendant les vacances de la chaîne début août. Ça, vous avez plus ou moins un créneau. Alors, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas dans mes notes, mais on est juste à côté. On va aller récupérer le trésor de la carte 18. Et en plus de ça, on va pouvoir rétrécir notre nouvelle voie. Alors, attendez, remonte. Et puis maintenant on peut passer en mode rapide. Alors maintenant on a la voile rouge. Et ça qui est bien, c'est que la voile rouge, eh ben justement elle nous donne, elle nous met toujours le vent en poupe. Alors Encore un peu. Ici. Encore un tout petit peu. Je dirais là. Boum. Trésor de la carte 18, qu'est-ce que c'est? Et dis-moi que c'est des rubis. Des rubis. Merde, rubis. Un rubis violet. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est les rubis violets, c'est le début de la fortune. Alors, maintenant, il faut qu'on aille vers le nord. Donc par ici. Et c'est ça qui est bien. Voile rapide. Youhou. Alors, je suis en train de me dire, nous sommes en mer, on a besoin d'appât pour ajouter les îles à notre carte. Je suis en train de me dire, peut-être plutôt mettre... Voilà, le moment comme ça. Ah, j'aime ce truc. Et d'ailleurs, si vous regardez des speedruns glitchless du jeu, ils sont tout le temps en train de switcher d'une voile à l'autre. Donc du coup, quand ils sont en mer, ça donne ça. C'est chiant, hein. Bah les speedrunners ils font ça, parce qu'apparemment ça donne un léger boost de vitesse, ou je sais pas quel truc bullshit du genre, mais en tout cas, moi, ce que je veux, si je... Ouh, ça c'est un des temples, ça. Oh oui, clairement. Eh, le poiscaille. Vous avez vu la vitesse à laquelle on navigue? C'est génial. Wesh, poteau. Allez, donne-moi le nom de cette île, s'il te plaît. Et pendant qu'il fait ça, moi, je vais boire un petit peu à votre santé. Et voici l'île du vent. L'île de la terre de l'autre côté, l'île du vent. Il va falloir qu'on aille là à un moment donné. Tu vas rentrer dans la grotte sur cette île protégée par un vent à décorner les bœufs. J'ai un bon tuyau pour toi. Prends le cap suivant. 5 au sud et 1 à l'est d'ici. Tu atteindras l'île gelée. Sur cette île, tu trouveras un objet qui te rend aussi lourd que le roc et qui te permettra de rester vissé au sol par les vents les plus violents. Ok. Et du coup, si on regarde l'île gelée, elle est... Attends, 5 au sud. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, l'île gelée est ici, à côté de l'île aux forêts. Alors, mais nous, c'était pas pour ça qu'on était venus. On va partir. Alors, on va mettre, d'après ce que je vois... On va aller récupérer le trésor de la carte numéro 11. Donc, il faut qu'on parte vers l'est. Donc là, on doit être vers l'est. C'est parti. Prochaine... Attends, c'est pas l'île au dragon, ça? Faut qu'on surveille. Ah oui, c'est vrai qu'on voit quand même la... Regarde, voile normale. Avec le vent dans avec le vent en poupe. Voile rapide. Ça va du simple... Ah voilà, l'île qu'on cherche, elle est là. Et je vois mon pote. Parce qu'on va pouvoir aller faire quelques trucs dans cette île. Là, je vois déjà un trésor, donc on va repasser en voile normale. On va avancer. Je suis un peu loin par contre. Je suis un peu loin, bon. Au pire, on va ranger. Non, attends, je veux juste le ranger. Je veux ranger. Je
va avancer un tout petit peu. Voilà. Ah, on l'a dépassé. Est-ce qu'on peut faire marche arrière? Et t'imagines, tu fais marche arrière, blateau, il commence à faire bip, 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 comme les smirmorques, tu sais. Ok, là. Boum. Et nous devrions récupérer quelque chose de très très sympa. Voici un nouveau quart de cœur, trésor de la carte au trésor numéro 11. Et tant qu'on est là, vous voyez quelqu'un coffre juste là? Moi je vous propose d'aller l'ouvrir. Et puis il y a notre poteau qui est de l'autre côté. Oh, de la gelée chuchu bleue, ça ne se refuse pas. Bref, non mais c'est juste pour... Oh, ça permet d'aller... Voilà, je me suis compris, hein. Ça permet de dégager le ciblage. C'est ce que je voulais dire. Et nous récupérons une nouvelle carte au trésor. Et tant qu'on est dans les parages... Alors déjà, on va aller voir le poisson et on va aller récupérer une autre carte au trésor qui est par ici. Alors... le poisson est... par là-bas. Alors par contre, c'est vrai que c'est pas pratique quand tu dois prendre des virages bien serrés. Elle poiscaille. C'est vrai de la bouffe. Parce que moi, j'ai besoin d'infos sur quel est le fuc. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça? Toxic René, elle aime pas. Voilà. Si vous connaissez pas chercher Toxic René, vous allez rigoler. Et voici l'île du croissant. Méfie-toi si tu navigues ici les jours de pleine lune. À moins que tu sois un fan de films d'horreur, en ce cas tu seras servi. C'est toi, ok. C'est trop rapide, hein. Ok, est-ce qu'on va vers... on va vers le nord plutôt qu'on aille vers le nord-est? Est-ce qu'il y a un sous-marin dans les parages? On ouvre l'œil. Voilà, le sous-marin est juste ici. Ah bon, moi je suis en train de me dire, les récupérations vont être beaucoup plus rapides maintenant qu'on a la nouvelle voile. On pourra peut-être accéder au prochain donjon cette semaine, mais bon, nous ce qui nous intéresse, voilà, on va aller péter les espèces de diablotins. Pourquoi il y a des... D'accord. Voilà, moi je vais vous tataner le pimpon, moi. Boum. Je vous pète tellement tous la gueule que ça fait laguer la console, eh ouais. Oh oh oh, des rubis. Des trucs de loot. Et surtout des rubis. Ok, je pense qu'on va les laisser s'allumer au fur et à mesure. Oh, ce génocide! Ah, même dans Undertale, j'en ai pas fait aussi beau génocide. J'ai tenté qu'un génocide puisse être beau. Hop. Ok, troisième flamme qui s'allume. Oh, combien j'en ai pété d'un coup! Allez! Boum! Vous êtes tous morts. Vous m'avez laissé qu'un rubis, bande de rats. Ok, c'est bon. C'est bon, vous êtes mouru. Mais t'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. On a qu'un seul qui m'a laissé une perle de loot, hein. J'allais dire, on a encore un là. J'entends encore du bruit. Les diablotins, vous êtes moches. Ça doit porter un autre nom, mais diablotins, ça leur va bien. En tout cas, nous, ce qu'on est venu chercher, c'est ça. Une carte au trésor supplémentaire. Donc, on va les ouvrir, ça tombe bien. Regardez, les cartes au trésor qu'on a récupérées, c'est la 9 et la 10. Alors, la 9, c'est l'île du... Est-ce qu'on a l'île du fer à cheval ? Ok, donc le trésor de l'île numéro 9 est tout en bas, de la carte numéro 9 est tout en bas à gauche. Et numéro 10, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une île qui ressemble à ça? Ah oui, il est à côté de l'île de Tingle. Ok, bien. Bon, on va pas s'attarder plus que de raison ici. On va rééquiper des appâts. Parce qu'on va en avoir besoin.
Ça qui est bien, c'est que des appotions, on a plus besoin d'en acheter, donc on a tout ce qu'il nous faut. Oh, il y avait un rubis là-dedans. Ah non, encore des... Non, mais... Oh, mais... Qu'est-ce que tu... Vous avez vu comme moi qui glitchait à moitié dans le mur. Non mais dude, dude, tu glitchais à moitié dans le mur, dude. Allez. Ok, donc il faut qu'on parte vers l'est. C'est parti. On va s'arrêter à la prochaine île où nous avons deux choses à faire. Ça tombe bien, aucune d'entre elles n'est sur l'île à proprement parler. Ok, donc on va préparer ce dont on a besoin. Voilà, c'est ça dont on va avoir besoin d'après mes notes. Il va d'abord falloir qu'on ait les infos sur l'île avec le Poiscaï. On fasse gaffe, il y a bientôt un Big Octo dans le coin, enfin un calamar. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Oh, il y a un trésor. Attends, il y a un trésor. Le trésor, il est juste là, je le vois. C'est un tout petit peu, je pense qu'on est bon là. Top. On doit être trop loin. Bon, vous me faites chier. Putain. Les navires, j'aime autant vous le dire. Vous me pétez les noix. Je vais pas mourir. Voilà. Au moins. Oh, l'autre, il m'a droppé une plume. Nice. Vas-y, je vais te bourriner le pimpon. Tu vas voir. 2 et 3. Ok, faut que je regarde la carte. Il faut qu'on fasse un très léger comme. Non, il faut pas que tu descends. Faut pas que tu descendes, mon cher Link. Là, je crois qu'on est bon. Un petit peu. Non, pas de voile. On récupère le trésor. Mais là, on est dessus. Voilà. C'est ça que nous sommes venus chercher. Et nous récupérons. Accrochez-vous à vos pampers. 200 rubis supplémentaires. Alors, maintenant il faut qu'on aille vers le sud-est de la zone. Et déjà, attends, déjà je vois mon poteau le poisson. Eh, poteau Jean-Michel Poisson. Tiens, cadeau. Allez, fais péter les infos. Et voici l'archipel Ursa Major. Ou Ursa Major, on s'en fout. Regarde si jamais tu veux une nuée de goélands au-dessus des flots. Les goélands s'attroupent généralement au-dessus des calamars. Ouais, tu m'as bien entendu, au-dessus des calamars. Ah bah juste, ça tombe bien, on va en trouver un dans peu de temps. Alors, le sud-est, donc c'est plus par... Enfin, le sud-est de la zone, c'est plus par ici. Apparemment, il y aura un calamar par ici. J'ai noté qu'il y avait un calamar dans le sud-est de la zone. Dans le sud-est ou sud-ouest? Hein, sud-ouest, my bad. Sud-ouest, my bad. Donc on fait... Attends, je suis en train de me dire. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller prendre l'île qui est tout là-bas? Je veux dire, on doit pas y aller pour l'instant et je crois pas qu'elle figure... Non, elle ne figure pas sur mes notes. Mais j'ai envie de dire une île supplémentaire sur la carte. De toute façon, il faudra qu'on la fasse à un moment donné. Hein? C'est toujours ça de fait. Ok, j'avais mal compris, c'était marqué SO et pas SE. Parce que c'est vrai que je mets pas les trucs, les points, les noms des points cardinaux en entier. Prise de notes, tout ça, machin canard. Allez, monsieur le poisson, quelle est cette île, s'il vous plaît? Donne-moi le nom de l'île STP. Et nous voici à l'île aux trois tours. Toujours une de plus que les États-Unis, enfin trois maintenant que. Enfin, ça fait longtemps, bref. Ah bon, putain. Apparemment, il y a un truc de la Triforce dans le coin. Ok. Très bien. Eh ben, dans ce cas, l'ouest. Donc, par ici. Boum. Donc, il faut qu'on repère. Il y a quelque chose à récupérer pour nous. Ça tombe bien parce qu'une fois qu'on aura fini dans l'archipel Ursa Major, il faudra qu'on retourne à l'île du dragon qui est droit devant nous. Donc, ouais, il faut qu'on reste plus donc dans cette direction. Là. Il faut qu'on repère l'attroupement de goélands. Apparemment, il confirme que ce sont des goélands et pas des mouettes. Alors, je vous avoue que je suis pas ornithologue, donc je connais pas vraiment la
Merde. Oh, c'est bon. C'est pas les tornades de Cyclos, on est tranquille. Ok. Ah, oui, je vois l'attroupement de goélands. Le calamar est ici. Parce que moi, j'ai que j'ai noté Bigocto. J'ai pris ça sur un site anglophone. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le calamar. Allez, viens là, ma grosse. Boum. 1. Là que je t'explose de pain pour. Ah merde. Hop. Et en plus il faut être vraiment très très précis. Oh, au pire, attends. On va le faire à l'ancienne. Eh oh. Boum. Ah merde, ça annule le lancer, sa maman. Je suis bien visé en plein dans l'œil, quoi. Oh, punaise. Ok, il doit rester plus que un ou deux yeux. Oh, il est beaucoup trop près. Ah, c'est bon, c'était le dernier. Bon, par contre, ni de bombe là. Hein. Ni de bombe, dude. Et voilà. On a un petit trésor qui vient de popper. Je dirais que le trésor est là. Et hop, un truc en plus à dégager de la liste. Et attention mesdames et messieurs, nous récupérons un quart de cœur supplémentaire. Ah mais va pas nager Link, va pas nager. Alors, l'île du dragon est en vue par ici. En avant. C'est notre prochaine étape. Salut dragon, on connaît, on l'a sur notre carte. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il va falloir qu'on équipe quelque chose dans le sac à butin. Il faut qu'on équipe les plumes d'or, on va en avoir besoin. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il doit y avoir. Attends, je suis en train de me dire, on n'a pas une carte trésor près de l'île du dragon. On en avait certes récupéré une. Mais j'aimerais voir si on n'en a pas une supplémentaire. Hein. J'ai pas l'impression avec ce temps. Avec ce qu'on a, j'ai pas l'impression. Ok, d'ailleurs, faudrait qu'on passe voir chez Terry s'il vendrait pas des bombes ici. Parce que le reste. Oh putain, il me reste plus de bombes. Attends, je l'ai eu sur ma dernière bombe, t'es sérieux? J'ai battu le calamar sur ma dernière bombe. Ok, tout va bien, j'ai battu le calamar sur ma dernière bombe. Bon, Terry. J'ai besoin que tu me files quelque chose. Ok, tu vends des bombes. Merci, poteau. Tu les vends combien, les bombes, par contre? 30 bombes, 60 rubis. Je prends. On a 23 points. On est bientôt membre d'argent. Yes! C'est cool, ça. Allez. On est de retour ici. Et il faut qu'on aille voir un certain péon. Qui est prêt... Alors, d'après ce que j'ai noté, c'est un garde qui est devant la salle du chef des piafs. On va aller le voir. Il faudra qu'on revienne ici à un moment donné plus tard, mais tant qu'on est là, voilà, on passe à côté, c'est toujours ça de prix. Il n'y aurait pas des rubis là-dedans. Un rubis. On est bon. Ok, alors. C'est. Toi? Non, tu dois être épuisé, c'est pas ça. Ça doit être au-dessus alors. C'est vrai que j'ai pas noté sur lequel des deux niveaux ils sont. Mais est-ce que c'est toi? Je sais qui tu es. Tu es ce jeune garçon qui court les aventures d'île en île. Tu n'aurais pas des plumes d'or par hasard? Ma petite amie aimerait en avoir. Je lui ai promis de lui en envoyer. Cadeau. Oh, c'est une plume d'or exactement comme celle que ma petite amie m'a réclamée!
Combien en as-tu? Super, tu veux bien m'en donner 20? Ok. Super, t'es trop gentil. Je vais lui envoyer une lettre avec. Je lui parlerai de toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Tiens, c'est pas grand-chose, mais prends ça en guise de remerciement. Un rubis orange. Wait. Ah non, d'accord. Oui, ok. Je me disais rubis orange, c'est pas ce que j'ai noté. Non, c'est bon. Tout va bien. Je suis avec toi, bon courage. Ok, donc maintenant, il faut qu'on ressorte. Je me disais, ça aurait été trop simple. Non. Mais les 100 rubis en plus, j'aurais dû les noter. Parce que ça, c'est une bonne surprise. On a dépensé... Justement, on a dépensé 60 rubis pour des bombes. On en récupère 100. On va dire, c'est pas mal. Ok, alors... tant qu'on est là, on va rééquiper des appâts. Et normalement... Alors, c'est pas ici qu'elle fait ça, mais il faut qu'on surveille les boîtes aux lettres. On va surveiller les boîtes aux lettres. Prochaine étape, on va partir vers l'est. Puis on verra quand on trouvera une boîte aux lettres. On se note ça quelque part. Alors, l'est, il me faut la carte. Voyons voir. Notre vent va vers le sud, donc. Comme ceci. L'est, c'est comme ceci. Non, là, c'est plutôt le sud-est. Donc, l'est, ça doit être là. Ouais, c'est bon, c'est par là. Bon, du coup, je suis en train de me dire, on va... Ouais, on risque de finir la partie, toute la partie est de l'océan, là. Alors, je suis en train de me dire, on n'a plus vraiment besoin des plans. Et notre carte... Et regardez, notre carte marine est quasi complète. C'est pas mal, ça. Alors, on en profite pour regarder où se trouve le poisson. Pour qu'on puisse récupérer les infos de l'île. Bon, moi, ça va, c'est une nuit calme, donc il n'y a pas de nuages, tout ça, on peut le voir. Où est le poisson? Ah, il est là. Je l'ai vu en train de plonger. Eh, le poisson, c'est l'heure du repas. J'ai besoin de... Regardez quand même comme c'est magnifique la magie du scénario. On a le vent qui nous pousse, non, on s'arrête, bico cinématique. C'est pas mal ça, hein. Allez. Dis-moi quel est cet endroit. Bienvenue à la tour de l'envol. D'ailleurs, on n'a pas un trésor à récupérer dans le coin? Je suis en train de me poser la question. L'île du dragon à l'ouest d'ici est couverte de rochers. J'entends dire qu'il y avait autrefois des trésors à l'intérieur de ces rochers. Il en reste peut-être encore. Si j'étais toi, j'irais voir tout ça de plus près. Ok. Alors, question. Avons-nous un trésor près de cette île? Je dirais que dans les cartes qu'on a, probablement pas. Non, Link... Qu'est-ce que tu... Alors déjà, je suis en train de me dire, il faut qu'on rééquipe des appâts. Parce qu'on a encore quelques îles à cartographier. Alors, il va falloir qu'on se place ici. Et que... On va mettre le vent, d'après mes notes, au nord-ouest. Le vent souffle vers le sud au dernier... Enfin, le vent de base souffle vers le sud, mais grâce à la valeur rapide, on s'en fout un petit peu. Donc le vent, voilà, doit souffler dans cette direction, on va en avoir besoin. Nous allons en avoir besoin. Alors, on va arrêter notre bateau ici. Et comme dirait un certain Amixem, on va jouer à un petit jeu. Voilà, c'est ce jeu-là qu'il va nous falloir réussir. Concours d'envol, renseignement en haut. Né pour voler, jeune homme? Alors, défiez les airs et tentez de remporter le prix mis en jeu. Ok. D'ailleurs, j'ai toujours pas de courrier, bah non, ça... Je n'ai toujours pas de courrier, très bien. Bonjour. Bonjour, jeune homme, tu es blabla. Tu es venu défier le ciel, si tu veux participer au concours d'envol organisé par le peuple Piaf, les inscriptions se font ici. Tu peux voler de la manière que tu veux en t'aidant de tous les instruments ou objets que tu souhaites, c'est toi qui décides. Tout ce qui nous importe, c'est de voir jusqu'où tu peux voler avant de tomber à l'eau. Voler le plus loin possible, c'est la seule règle de notre concours. Le record de distance parcouru est pour le moment détenu par un champion légendaire. L'endroit qu'il a atteint est signalé par une banderole. Et tu la dépasses, c'est toi qui deviendras le champion. Les droits d'inscription sont de 10 rubis. Ok, je vais essayer. TKT frère. Je s'occupe de tout. Voilà, vous voyez qu'il y a des courants d'air. Oh, tu viens relever le défi, n'est-ce pas? Tu vois la banderole au loin là-bas? Elle marque le record de notre grand champion. Essaie de la dépasser. Eh ben allons-y, hein. Du coup, voilà, on va passer d'un courant ascendant à l'autre. Le but étant, d'après les notes que j'avais, de choper le deuxième pour plus ou moins garantir la réussite. Allez, viens là. Et après, c'est vrai que si on pouvait essayer de les choper pour au moins atteindre la banderole, ce serait bien.
Alors par contre, faudrait que je fasse gaffe à ma magie, moi, quand même. Je vais pas avoir la magie doublée, j'ai l'impression que c'est quand même limite. Oula, je suis pas fan de la trajectoire que ça prend. Ok. Ah, ça va être juste. Ah, dommage, on était pas loin. On a fait un beau parcours. Distance enregistrée. Ah, je suis pas loin. C'est vraiment un... Et de 229 mètres. C'est pas suffisant pour le prix, mais... Est-ce que je peux avoir quelque chose? Je distance. Ah, tu me donnes même pas de trucs. Je peux avoir de la... Je peux avoir de la magie, les dudes. Au pire... J'ai sauvegardé ici, pour être sûr. Parce que je vais quand même éviter de faire 5 milliards d'essais. Ah, ça va, ils remettent la magie, ils sont gentils. C'est vrai que j'aurais dû noter un repère pour l'envol. Ok. Go. Allez, est-ce qu'on peut réussir à choper le... Ah, je crois que je vais le louper. Je chope celui-là. Allez. Je pense qu'à mon avis, c'est calculé pour que... Oh, je l'ai loupé, t'es sérieux? Allez, on peut le faire. Ouais, je vais toucher l'eau, là. Hein? Allez. Ah! Non, je suis devant! Putain, sérieux, ta maman! Je suis à 2 mètres! 2 putain de mètres! Et but! Là, je crois que c'est bon. Record battu! Yes! Le troisième essai fut le bon, 260 mètres. Et ben, voilà le travail! Mais oui, voilà le travail! Allez. Et voilà, un quart de cœur supplémentaire. Boum! On valide ça. Allez, je pense qu'on a le temps de se faire encore un truc avant de s'arrêter. Je pense qu'on va passer sur une île supplémentaire. L'île en question est au sud d'ici. Alors, le sud... c'est par là. Je pense que... Attends, juste que je regarde au niveau de mes notes. Ouais, ça donne ça. Ok. Ah, puis on a bientôt un upgrade qui nous attend. Que je regarde... Ah, il resterait pas grand chose à faire. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller jusqu'à l'upgrade. Donc on va faire encore 3 îles aujourd'hui. 3 îles. Par contre, si je pouvais avoir de la magie, ce serait gentil. Ok, voilà, l'archipel, le poisson est ici. On va aller le voir. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il faut qu'on fasse. Ok, elle, poisson, 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 manger. Allez, donne-moi les informations sur cet endroit, S, T et P. Et une case de plus sur notre carte. Et voici l'archipel d'Orion.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Les nuls, le ciel est éclairé d'une demi-lune sur la gauche, la mer semble commenter par ici. J'ose même pas sortir la tête de l'eau quand je suis tout seul. Ok. Du coup, on va aller... Oh, attends, il y a un trésor ici. Récupération de trésor. C'est là. Attends. L'archipel d'Orion ressemble à ça. Il y a un trésor. Attends, voyons voir. C'est quelle carte? C'est quelle carte? Où est-ce qu'il y a un petit link qui apparaît? Ok, c'est la 27 et c'est légèrement derrière nous. Je dirais ici. Ouais, c'est là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en récupérant le trésor de la carte 27? En plus, t'es pas dans mes notes, mais bon, je le prends. Hein. Ah si, 27, c'était dans les notes. Eh, un rubis argenté, nice. Ouais. Link, il faut que tu arrêtes d'avoir cette habitude de merde. Ok, la plateforme en question, elle est où? Elle est où, j'avais repéré. Ah, elle est là-bas. Allez, salut. C'est genre le mec, bon, c'est bon, vous avez fini vos conneries? Je me casse. Parce que tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive ici. Attends, on n'a pas des canons à péter ici? J'ai l'impression que non. Par contre... Attends. Y'a un canon ou y'a pas un canon? Sur mes notes, ça dit il faut grimper ici et buter tout le monde. Ah si, y'a des canons. Alors du coup, est-ce qu'il faudrait pas... Non. Je pense que je vais prendre le temps de péter les canons. Je prenne un angle un peu plus large. Voilà. Allez. C'est bon. Yes. Ok, non, mais il y en a encore. Est-ce que c'est bon? Ouais. 3. Et le dernier doit être... Attends. L'angle est pas génial. Oh, il y en a encore, non? Attends, oh, il y en a encore un là. Boum! Je sais pas trop si ça change quelque chose, mais on a pété les canons. Hein. Voilà, on va s'arrêter. On va ranger tout ça. Et on va grimper. Mais au moins, on est sûr de pas se faire bombarder. Par contre, si je pouvais avoir un petit duel de magie, ce serait vachement bien. Non, parce que je suis un peu en train de prendre cher dans ma gueule, là, tu vois. Le truc qui veut me foncer dessus là. Il va tellement te faire en papa ou. Oh! Bonjour, comment allez-vous? Le mec, il a une longue vue quoi. Allez, un beau cobine à la mer! Ouais, de la magie, tas de bitches! Mais bon, mais c'est de la magie que je veux. Bon, on va prendre, hein. Et voilà, on est venu récupérer le contenu de ce coffre. Et nous avons une nouvelle carte au trésor. Alors du coup, attends que je regarde. C'est là, c'est celle-là, 44. Qui est près... C'est une île triangulaire, ça. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. C'est près de l'île triangulaire du sud. Ok. Bien. Alors, où est Lion Rouge? Il est là. Merde, ça cible ce truc-là, je pensais pas que ça ciblerait ça. Bon, allez, destination suivante, on va partir vers l'ouest, donc à l'opposé d'ici, dans quelque chose. Non, là on va vers l'est, merde. Comme ça. Allez. Bah, puisqu'il faut qu'on aille vers la montagne de feu, et là il faut qu'on aille vers le sud-est de l'île, parce qu'on a encore un calamar à tataner. Et après, prochaine étape, c'est l'upgrade. Et à l'upgrade, on s'arrête. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, je vous avais dit, si vous vous souvenez, que l'arc de collection qu'on ferait durait 4 pages, on est dans la 4ème page. On a bientôt terminé. On a bientôt tout ce qu'on était venu chercher. Bientôt, ouais, il y a des chances que cette semaine, on aille dans un donjon.
Yeah. Alors, où qu'il est les calamars. Attends, c'est la montagne de feu, ouais, c'est ça. Donc il y a un calamar quelque part dans les parages, faut qu'on ouvre l'œil. Et cette fois-ci, j'ai bien noté sud-est de l'île, ouais, sud-est. Attends, l'île est où? Ah oui, l'île est là, ouais, d'accord. Faut qu'on aille... Ah bah attends. Voilà, j'allais dire, il serait pas ici. Allez, on fait péter le canon. Combien d'yeux, celui-là, ça va, c'est un 8. Ça devrait être plus gérable. 2. 3. 3. Putain, c'est le tentacule qui bloque. Putain, c'est plus un calamar, c'est un gardien de but, quoi. 6. Ah bah dis donc, espèce de pimpon. Eh oh, 7. Et... Eh oh, le 8. Voilà. Ça, c'est réglé. Ah, ceux à 8 yeux, ils sont quand même un peu plus simples à péter, hein. Et on va bien sûr aller récupérer le trésor qu'ils nous ont laissé. Enfin, qu'il nous a laissé parce qu'il est tout seul. Il nous aura quand même bouffé 16 bombes, cet enfoiré. Hein. Là. C'est bon. Et nous récupérons... un rubis orange. Ok, donc prochaine étape, il faut qu'on parte vers l'ouest. Voilà, on aperçoit l'îlot, c'est parti. Bien sûr, j'ai dit îlot, donc vous vous doutez de ce qui nous attend là-bas. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je me demande s'il y a... je crois qu'il y a des boîtes aux lettres sur les îlots. Et avec un peu de chance, on peut peut-être récupérer le dernier truc qu'on n'avait pas eu avec l'île du dragon. Ce serait pas mal. Alors qu'on en profite pour choper le poisson. D'abord le poisson. Oh, attends. Il y a... Oh, attendez. Excusez-moi les gens, fausse alerte. Je pensais qu'on sonnait à ma porte, mais c'est apparemment ça devait être chez mon voisin. Bah écoutez, life is life, la, et dans la vie, il y a des cactus, hein. Ok, je dirais que le trésor est là. Non, mais bah, mais pas là. Bon. Demi-tour. Enfin, quoique, non, je suis en train de me dire, le plan de l'île m'aiderait à me positionner. Parce que rappelez-vous ce que disait Magic System. Pour ne pas être décalé, il faut savoir se positionner. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose, ceux-là. Bonjour. Allez, donne les infos STP. Comme ça, on récupère le trésor. Et on est bon. Voici donc l'îlot oriental des fées. Ah, c'est même pas la bonne carte en fait que je regardais. Alors qu'est-ce que t'as à dire ici pour sur cet endroit? Oui, les enchères, oui, je sais. Ok, donc il faut que je trouve la carte qui correspond à l'îlot oriental des fées. Ah bah voilà, c'est... C'est la numéro 3. Voilà, il faut qu'on avance encore un petit peu. Là. Là. C'est bon. Alors, qu'avons-nous? Et hop, 200 rubis de plus. On a récupéré tout ce qu'on avait dépensé pour les enchères. Et bon, notre dernier objectif pour aujourd'hui... Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. C'était donc l'îlot oriental des fées. Alors on va juste avoir besoin de tout faire péter. Alors, mes bombines. Non, mes bon... mais les bombinettes, bordel d'ifoc. Je suis pas sûr que ça va bien comme il faut. Ça suffit pas. Allez, STP. Voilà.
Et, que bien sûr, comme ça porte un nom d'effet, vous vous doutez bien qu'il y a une fontaine d'effets ici, c'est l'heure de l'upgrade! Il n'y a qu'un seul truc qu'on peut upgrader, donc il n'y a pas vraiment de surprise! Oui, je sais contrôler le vent. Laisse-moi, tu vas m'aider dans ma quête. Et tu vas nous donner, chère madame. Attention, attention. Un grand sac de bombes qui comptait désormais 60 bombes. Voilà. En plus de ça, notre magie et notre vie sont remises à fond. Voilà. Allez, une bonne chose de faite. Et je remarque qu'il ne nous reste plus grand chose à faire. On a surtout pas mal de trésors à récupérer pour se faire beaucoup d'argent et faire les derniers achats. Mais la fin de cet arc de collection est proche. Je vais juste vérifier la boîte aux lettres. Elle est où la boîte aux lettres? Elle est là, elle ne bouge toujours pas. Très bien. Et bien du coup les gens, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Wind Waker HD. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant. Oh si, attendez. On va pas se quitter tout de suite, on a du courrier. On a du courrier, nous avons du courrier. Bonjour Babou, mon petit ami m'a envoyé des plumes d'or. Je suis une véritable victime de la mode. Je sais à quel point il est difficile de se procurer ces plumes et ce cadeau m'a fait un plaisir fou. Je te souhaite à toi aussi plein de bonnes surprises et t'envoie un morceau de notre cœur. Comprenez par là, un quart de cœur. Voilà, on le valide. Et il nous reste pas, ouais, il nous reste plus grand chose à faire. Ah, avec un peu de chance, je dirais. Ouais, peut-être ici à la fin de semaine, on sera au prochain donjon. Ça, ce serait bien. Et ben voilà le travail. Mais du coup, les gens, nous, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Cette fois, c'est la bonne. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Wind Waker HD. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir, sinon plus. À laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite chose de notification, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec la série associée, vous connaissez la musique. Et en attendant la suite de notre arc de collection, il ne reste plus grand chose. Et surtout récupérer des cartes au trésor qui nous restent pour l'instant. Mais bon, dans tous les cas, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!